C'est le garde du corps qui porte les paquets. Marilyn a commandé une robe chez un grand couturier. Avec les bijoux que tu as, avec les bijoux, les diamants, ce sera super. Pas trop serré. Vous voulez, on peut resserrer un peu en bas. Le problème, c'est que ça casse le décolleté. Yanis n'est pas inquiet pour le prix, mais plutôt pour la profondeur du décolleté. Pas beaucoup parce que sinon ça va vous tirer. Penche-toi en avant. Voilà, c'est juste ça. Juste c'est bon, ça, là juste ça va. Souplesse, voilà. Ça, c'est bien. Ouais, là ça va. Yanis, c'est le décolleté qui vous gêne? Non, ça va, le décolleté, mais juste qu'elle soit à l'aise. Plus c'est décolleté, plus c'est décolleté. Oui, oui. Pour tous les hommes, plus c'est décolleté, mieux c'est. On est d'accord? Pourquoi? Pourquoi? L'érotisme. Avec une robe comme ça, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Voilà. Play the game. Et moi, je vais vous dire si on remonte. C'est un peu trop serré. Vous trouvez? C'est bien, non, c'est très bien. Mais donc, non, c'est bien. Il ne porte pas des robes, monsieur. C'est pour ça le problème, c'est qu'il ne me connaît pas. Yanis ne porte pas de robe, mais d'autres clients en portent. C'est hyper tendance, c'est hyper sexy, glamour. Pour cette robe de grand couturier, c'est 5000 euros. Mais Marilyn achète sans complexe. Soit vous naissez avec une cuillère en argent, et tant mieux. Soit vous travaillez, vous apprenez certaines valeurs, et puis c'est beaucoup de transpiration et un petit peu de chance aussi. Et puis voilà, je crois que c'est le résultat de beaucoup d'acharnement. Et j'aime travailler, mais j'aime offrir. C'est vrai que c'est stimulant, c'est-à-dire j'en peux s'offrir. Là, ça vous fait quoi là, de pouvoir vous offrir ça? Ce qui est génial, c'est que je regarde pas, je compte pas. Voilà. C'est comme l'amour, quand on aime, on ne compte pas, c'est pareil. Après, je ne compte pas. Je prends, ça me plaît, je prends. Ici, on sait recevoir les clients de marque. On sait les mettre à l'aise. Et même les faire succomber à la tentation. Si vous aimez, mais il y a les Gwendoline qui sont extraordinaires, si vous connaissez. Vous avez la petite abeille, oui, ou rouge. Votre style, c'est plutôt quoi? Je dis diamant. Je crois que je serai comme les Égyptiens, je vais m'enterrer avec mes bijoux. Avec mes trésors, j'adore. Je crois que j'en ai plein. Je sais pas, parce que j'en ai plein et partout en différents endroits, mais je les compte pas. Je vais passer comme le sac à moi, je ne les connais pas. Voilà, ça doit être le 112e. 112e. C'est qui le plus dépensier? C'est vous ou c'est votre mari? J'irai sur la vie courante, c'est moi. Mais mon mari, quand il dépense, ça fait mal aussi. Même encore plus mal. C'est plus gros? Oui, voilà. Les jets, les yachts, c'est quand même des choses relativement onéreuses, on va dire. C'est l'inaccessible.